appuyer sur le champignon, on est en retard. Mais mon colonel, il y va de votre sécurité. C'est une réunion urgente, combien de fois faut-il vous le répéter? Sinon, vous devez bien vous douter que je ne vous aurais jamais demandé de venir me chercher chez moi, avant même d'avoir eu le temps d'avaler un petit déjeuner correct. Oh, je vois. Et c'est donc pour ça que vous avez l'air un peu débraillé, mais pas de panique, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Vous allez adorer. Gadget au mobile, débarbouillage matinal et petit déjeuner continental pour passager avant. J'étais sûr que ce nouveau gadget de la gadget mobile vous plairait, colonel Prolog. Nous allons prendre le raccourci. Oh, attendez. Gogo Gadget, ventouse! Colonel Poilonné, vous avez raté le bureau du général! Gogo Gadget, bras extensible! Gogo Gadget, diamant à couper le verre! Lieutenant Gadget au rapport, mon général, à vos ordres! Veuillez excuser le colonel Poilonné, il a mal dormi et n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner! Peu importe, il s'agit d'une affaire extrêmement urgente. Je vous présente l'amiral Beaubateau, qui est à la tête d'une opération ultra-secrète de désarmement de sous-marins. Très impressionnante, votre entrée. Enchanté, lieutenant Gadget. Gadget, cette opération consiste à désarmer 20 sous-marins atomiques appartenant à diverses grandes puissances. Ces sous-marins seront immergés en eau neutre, au fond du lac de Genève. Exactement. Et d'ailleurs, le général et moi-même devons nous rendre à Genève pour présider la cérémonie d'inauguration. Le problème, c'est que seuls 19 sous-marins sont arrivés jusqu'au lac Léman. Le 20e, un sous-marin PAC, a disparu avec tout son équipage. Un sous-marin atomique a disparu? Nous suivions le convoi par radar, bien évidemment, lorsque le sous-marin grec a purement et simplement disparu de l'écran. Toutes les recherches que nous avons entreprises depuis ont été faites. Votre mission est de retrouver ce sous-marin et de le ramener au plus vite au lac de Genève. Vous aurez besoin de cette clé une fois que vous aurez retrouvé le sous-marin disparu. Elle ouvre les grilles du tunnel top secret qui débouche directement dans le lac Léman. Nom d'un gadget, quelle superbe clé! Inutile de préciser que si la presse avait connaissance de cette affaire, l'amirauté nierait toute implication. C'est compris, gadget? Parfaitement, mon général. Vous pouvez compter sur moi. J'ai tout enregistré, mon général. Et ne vous faites aucun souci pour le mini-disque. Il est programmé pour s'autodétruire s'il tombe entre de mauvaises mains. Mon colonel, attendez-moi! Tout à fait le genre de mission qui me convient, calme et relaxante. Hé, les robots n'ont pas besoin de se relaxer. Salut les gars, j'ai trouvé une carte navale, regardez ça. La croix indique l'endroit où le sous-marin a disparu. Équipage, pari et l'immersion. Je dois y aller, Sophie. Le missile super explosif et l'équipage sont en place pour l'opération Cheval de Troie, Doc. Notre pieuvre indétectable lâchera bientôt le sous-marin grec et ensuite, nous n'aurons plus qu'à attendre que Gadget vienne à notre secours et nous fasse entrer dans le lac de Genève. Ah, parfait. Mais méfiez-vous de Gadget, il est imprévisible. Faites-moi confiance, Doc, ça marchera. Et après, nous forcerons les autorités à nous donner les 19 autres sous-marins. Sans quoi, nous détruirons le lac de Genève. Excellent programme. Emparez-vous des sous-marins et ensuite, débarrassez-vous de Gadget. Bien sûr, Doc, aucun problème. Ça fait partie du plan. Salut Sophie, nous revoilà. Et on est enfin au sec. Tu cherches toujours le sous-marin? Oui, et jusqu'ici je n'ai rien trouvé. Oh, attendez un peu, quelque chose vient d'apparaître au radar. Ce ne serait pas... Les gars, je crois avoir localisé le sous-marin grec. Il n'y avait rien du tout et tout d'un coup, plouf, le voilà. C'est génial, franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux. On n'a jamais une mission plus facile que ça. Je n'en suis pas sûre, Fidget. C'est trop facile, justement.
Ah, vous voilà, messieurs. Donnez-moi le gouvernail et tâchez de repérer le sous-marin grec. Ce serait dommage de le manquer. Lieutenant, regardez, voilà le sous-marin. Où ça? Et nous sommes sûrement coincés sur un récif de corail noir. Réglez-moi ça pendant que j'inspecte les environs. Gogo Gadgetto a équipement de survie sous-marine. T'as qu'à essayer de lui dire, toi. Chouette! Voilà nos gentils sauveteurs! Entrez donc, lieutenant Gadget! Vous allez voir, nous avons une énorme surprise pour vous! Nom d'un gadget! Je ferai volontiers une photo de ces jolis petits poissons pour Sophie! Gogo Gadgetto, appareil photo sous-marin! Lieutenant, je crois que nous avons trouvé ce que nous cherchions, tiens! Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne nous voit pas! Lancez les fusées sous-marines éclairantes! Regardez, messieurs, c'est un son et lumière aquatique. Prenons place, j'adore les feux d'artifice. Oh, bravo, c'est formidable. À moi maintenant, Gogo Gadgetto, feux d'artifice aquatique. Mais ce type est un malade. On n'a pas le temps de s'amuser. Allez me chercher, c'est rigolo. Gadget, une balette mécanique. Ce parc d'attractions est formidable. Doc, cette fois, ça y est, on tient Gadget. Il va nous conduire jusqu'au lac et après, on lui réglera son compte pour de bon. Gadget, plus rien ne peut te sauver maintenant. J'avais de l'intuition, je dirais que ces types ont l'air drôlement louches. Heureusement que les robots n'ont pas d'intuition. Les hommes grenouilles louches me terrifient. Ouais. On ferait mieux jeter un coup d'œil dans les environs, par sécurité. J'ai fermé la clé. Eh ben, on a qu'à l'ouvrir. Qui aurait cru que l'intérieur d'une baleine mécanique ressemblerait autant à un sous-marin? Si mes informations sont exactes, il a sur lui l'unique clé qui ouvre le tunnel menant au lac de Genève. Il nous la faut absolument. Ah! Lieutenant Gadget, merci, merci, vous êtes notre héros. Ah, nous étions perdus, abandonnés, et vous nous avez sauvés. Ah, impossible de nous faire du mal, agent de Mad. On est des robots, indestructibles, invulnérables, et sous garantie en plus. Notre garantie se couvre si on passe dans le broyeur à envure d'un sous-marin. On dirait que vous avez eu un gros pépin cette fois. Espérons que votre système d'auto-reconstruction n'est pas endommagé. Messieurs, je dois dire que je me suis bien amusé. Mais je dois néanmoins poursuivre ma mission secrète et retrouver ce sous-marin grec. Mais enfin, lieutenant, le sous-marin grec, c'est nous. Vous nous avez trouvés, alors emmenez-nous au lac de Genève. Oh, voyons, monsieur Saltimbanque. Croyez-moi, je sais reconnaître un sous-marin grec quand j'en vois un. Hein. Mais nous sommes grecs. Le sous-marin est grec et je vais vous le prouver. Faites un truc grec. Ah, mais quoi? Bah, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Dansez. Sans vouloir vous vexer, mon jeune ami, vous avez encore beaucoup à faire avant de maîtriser les pas du Sirtaki. Une petite démonstration? Gogo Gadgetto, c'est né de Sirtaki. J'ai peur qu'oncle Gadget n'ait de graves ennuis. Les gars, débrouillez-vous pour rentrer dans le sous-marin. Il risque d'avoir besoin de nous. Compte sur nous, Sophie. Voilà! Ah, ce Sirtaki m'a donné une fin de loup! Voilà une occasion de prouver que vous êtes grec! Mais enfin, Gadget, de quoi parlez-vous? Eh bien, vous pourriez me préparer une salade grecque? Ça ne vous dit rien du tout? Je vais vous montrer. Gogo Gadgetto, ingrédients à salade grecque! C'est un piège! Ah. Le docteur Kang avait raison. Ce type est plus malin qu'il n'en a l'air. Il faut lui prendre la clé et le mettre hors d'état de nuire immédiatement! Tomate, feta, huile d'olive. Oh, j'ai failli oublier les olives noires. Et pas dans cette poche. Et dans celle-là non plus. Dans.
Dépêche-toi un peu, les requins dînent peut-être tôt dans le coin. T'es un robot. Les requins ne mangent pas, les robots. Oups, et c'est la clé du tunnel que l'amiral Beaubateau m'a donnée. C'est top secret. Très bien, ça suffit, Gadget. Donnez-moi cette clé ou c'est du bazooka que je vais vous jouer cette fois. Vous avez dit bouzouki. Bravo, c'est votre première bonne réponse. C'est un instrument de musique grecque. Donnez-moi ceci, voulez-vous? Il a besoin d'être parlé. Ça y est, j'ai la clé. Maintenant, occupez-vous de lui. Ce qui me prouve que vous n'êtes pas le sous-marin grec, car tout grec qui se respecte veille à faire accorder son bouzouki au moins deux fois par an. Disque bol. Bravo, c'est grec ça aussi. Je vais vous montrer comment ça marche. Eh bien, messieurs, c'était très amusant, mais je dois vous laisser à présent. Réflexion faite, je vais d'abord faire une petite sieste. Doc, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Gadget est enfin hors d'état de nuire et en plus, vous savez quoi? On a la clé. Parfait. Cette fois, c'est moi qui ai gagné, Gadget. On y est. Bon, j'ai réussi à localiser Oncle Gadget. Je vous guide jusqu'à lui. Oh. Oh oh. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il est temps de passer à l'action. Introduisez la clé. Nous sommes prêts. Sophie, ici Digit. Le lieutenant est endormi et il est ligoté à un énorme missile super explosif. Ouais, et s'il continue à ronfler comme ça, il va tout faire sauter. D'accord, surtout pas de panique. Vous pouvez le sortir de là sans faire exploser le missile? On va essayer, Sophie. Je ne comprends pas, ces sous-marins étaient censés être désarmés. Bah peut-être qu'ils ont réarmé celui-ci après coup. Attendez, le sous-marin avance dans le tunnel. Ça veut dire qu'ils ont pris la clé à Oncle Gadget. Mais qui irait détourner un sous-marin pour se faire conduire ensuite en territoire ennemi? À moins que... Oh non! Message urgent! Le sous-marin grec, armé d'un missile de forte puissance, progresse actuellement dans le tunnel. L'équipage de Matt cherche à s'emparer des autres sous-marins. Arrêtez ce sous-marin par tous les moyens. Signé Lieutenant Gadget. Mademoiselle Miffet, je pars à Genève pour l'inauguration. Des nouvelles de Gadget? Aucune, Général. Mais cela fait 2 heures que toutes nos lignes sont coupées. Oh, décidément les techniques modernes. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, n'est-ce pas? Avec Gadget sur l'affaire, nous sommes tous en sécurité. Mais... Ah! Hé, Sophie! Le sous-marin vient de s'arrêter! Non, Gadget, on est déjà arrivé. Vous arrivez à la deuxième grille. J'espère que l'armée est là pour arrêter le sous-marin. Oh non, c'est trop tard. Vous entrez dans le lac. L'attraction est déjà terminée. Oui, vous avez bien dormi. Oh, quel dommage. Mais après tout, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Il faut retrouver le sous-marin grec. Une minute, les gars. Où vous allez comme ça? Tant que le missile est armé, c'est la paix mondiale qui est en jeu. Vous devez le désactiver. La vie de robot, c'est vraiment une vie de chien. Commandant, le dernier des 19 sous-marins est de nouveau dans le tunnel. Magnifique! Doc, Matt McBoy au rapport à bord du sous-marin numéro 1. Les sous-marins sont en route. D'ici quelques minutes, l'opération Cheval de Troie sera un succès. Très bien. Une fois que les 19 sous-marins seront en lieu sûr, nous ferons sauter le sous-marin grec et Gadget avec. Le monde entier va enfin savoir qui est le patron. C'est du beau travail.
Quoi? Mais c'est Gadget qui se balade sur le lac? Quoi? Comment? Mais c'est impossible! Débarrassez-moi de lui immédiatement! Alerte! Appel urgent à tous les hommes grenouilles de MAD! Gadget est en vadrouille sur le lac! Torpillez-le-moi! J'adore les sports de Dick! Général, vous avez un appel urgent. Général, navré de vous déranger, mais les lignes fonctionnent de nouveau. Il y a un message urgent du lieutenant Gadget. Oh, général, regardez par là-bas. Le lieutenant... Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh. Ah, je ne sais pas encore, amiral, mais une chose est sûre, cependant. Quoi qu'il décide de faire, ce sera un coup de génie. Non, Gadget, la cérémonie d'inauguration a déjà commencé. Tu devrais voir trois fils. Il faut que tu les coupes un par un dans un ordre bien précis, sinon tout explose. Maman, j'ai la trouille. D'abord, le jaune. Heureusement que les robots ne tremblent pas. Fil jaune coupé. Et ensuite, le rouge. Non, attends, le bleu. Désolé, c'est le bleu. Fil bleu coupé. Ensuite, maintenant le rouge. C'est fait. Formidable, les gars. Vite, allez prévenir le général. Quel homme! Vu de l'extérieur, on croirait vraiment qu'il fait ça pour s'amuser. Équipage du lieutenant Gadget, au rapport! Nous avons désamorcé les missiles qui se trouvaient à bord du sous-marin grec. Mais en ce moment même, les agents de MAD sont en train de franchir le tunnel avec tous les autres. Quelle idée géniale! Le lieutenant Gadget a créé une diversion pendant que ses hommes allaient désamorcer la bombe. C'est éblouissant! Je suggère que... Je veux dire... Le lieutenant Gadget suggère de sceller les deux...